Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K18. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un match assez insolite. Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, vous étiez assez nombreux à me dire de faire un match avec eux, et bah, j'avoue, j'étais assez, je me suis dit, ah ok, ils sont dans le jeu, des personnes l'ont créé. Alors Sarkozy est plutôt bien créé, François Hollande ça va encore. Macron, je trouve que c'est le moins bien fait. J'ai pris Macron parce que c'est le président actuel. Mais il faut préciser une chose, c'est que Hollande et Macron ont à peu près 77 de général, il me semble, et que Sarkozy a 100 de général. Du coup, ça va être très dur de l'affronter. C'est en triple menace, voilà. En mode de prise de tête. Je suis pas là pour parler politique, hein. Vous me l'avez demandé en commentaire de faire ce match insolite. Il est fait. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous, les petits loups, à mettre un petit like. Voilà, si vous aimez ces matchs insolites, parce que je les fais, parce que ça me fait kiffer et ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et de proposer vos matchs, parce que je prends vos avis, hein, sinon, voilà. Toi, tu vas te calmer, je ne sais pas comment j'ai fait. Non. Ça va pas se passer comme ça. Hop là. Et bim. Ah mais oh. Voilà. De Mongol. Aïe, arrête. Tu fais mal. Non, attaque-toi pas à moi. Moi j'ai rien fait, hein. Bah voilà, tu veux pas m'écouter. Franchement, c'est vrai que les triples menaces, c'est un peu embêtant parce que bah, il faut avoir les yeux partout. Ça c'est clair et net. Alors en plus, j'ai même plus de contre. Je dois en avoir un ou deux, peut-être trois maximum. Voilà. Oh là, François Hollande qui contre Nicolas Sarkozy. Faut que tu le mettes au coin. Ouais, contre la corde. Et François Hollande qui passe par-dessus la troisième corde. C'est vrai que j'aurais jamais pensé à dire ça, mais... tu veux quoi? Tu veux le battre, toi? Tu veux le battre? Tu veux le battre? Tiens. Et bim, le coup de coude. Aïe. Le contre qui passe bien. Et moi aussi, je suis contré. D'accord. En fait, je contre dans le vide. Il m'a fait un uppercut. Genre, j'ai rien vu venir. Allez, on se calme. Après, beaucoup de personnes aussi avaient demandé que je rajoute Le Pen et plein d'autres politiciens. Malheureusement, Le Pen n'est pas disponible dans le jeu. J'ai cherché, hein, parce que je voulais faire les choses le mieux possible. Aïe, d'accord. Je voulais faire les choses le mieux possible. Malheureusement, bah, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, plutôt que de faire un match 1 contre 1 dans les C1, on va dire sur le bord, quoi. Un triple menace, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais parler pour les matchs de foot. J'ai trouvé Cavani, Eden Hazard et Neymar. Un match triple menace entre les trois, ça peut être intéressant. J'ai pas trouvé Mbappé. À moins que j'ai mal cherché, voilà, j'essaierai de faire les choses. Voilà, qu'on s'amuse un peu. C'est le but, par contre, Sarkozy. Je vais te calmer un peu. Je vais prendre des objets, je pense, pour lui faire mal. Parce que avec mes points de. Wow, il a fait la toupie. Ok. Aïe, bien joué. En plus, il avait plus de contre, là. C'était maintenant qu'il fallait... Non, s'il te plaît, attends. Ah, non. Ah, ma tête. Ouh, mais il l'a contré, quoi. D'accord, maintenant, on est totalement KO. On se repose un petit peu, hein. Alors, on a le droit à des vacances, quand même. N'est-ce pas? Voilà, fais-lui mal à lui, si tu veux. Moi, je me repose. Fais-lui ton spécial, aussi. Voilà. Tant qu'à faire. Fais-lui même ton finisher. Par contre, Monsieur Macron, si vous voulez vous relever, c'est quand vous voulez. D'accord. Merci. Ça, c'est bien. En plus, il a été contré. Alors là, c'est parfait. Voilà. Bravo. Alors, relève-toi. Maintenant, plus de pitié pour les croissants. Je crois qu'il m'a contré. Ouais, bien joué. Allez, viens. On s'affronte. Un contre un. Tête contre tête. Non, on va pas se laisser faire. Merci. Merci Nicolas. Parce que François, il est énervé, hein. Eh, je dis merci Nicolas, voilà. Bien fait. Par contre, à chaque fois que Macron il se rend un coup, c'est fini. J'aurais pu prendre Sarkozy pour. Voilà. Vous l'auriez même pas vu, hein, qu'il avait une meilleure note. Mais je pensais que c'était mieux de vous le dire, voilà. La vérité est toujours mieux qu'un mensonge. Même si le match l'aurait plus dominé. Ah, attendez, je vais vite fait, vu qu'on est dans un match triple menace, je peux prendre des objets. Voilà, oh, un sledgehammer. Un beau sledgehammer. Ouh. Il m'a fait une fin. Aïe, aïe, aïe.
m'a défoncé. Oh, vas-y. Il fait que me contrer depuis tout à l'heure, là. T'es relou. Voilà, moi, je me roule. En plus, ah bah, il avait de la chance. Parce que si Sarko le bloque, la François-Hollande n'a plus de contre. Voilà. Donc maintenant, ça va être la roue de la fortune pendant quelques instants. Pendant que moi, j'essaie de me rétablir. Non, non, ouais. Par contre, relève-toi. Hein. Merci. Oh, ok. Bah, j'ai le droit de taper personne. Alors, laissez-moi prendre mon sledgehammer. J'en ai besoin. D'accord. Je suis là pour travailler. Un petit coup pour Bibi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Et pour lui aussi. Hein. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je suis en négatif, on va dire. Acclamez votre président, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air heureux. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est heureux. Donc pourquoi pas. Allez. À la deuxième corde, on peut le faire. D'accord. Très bien. Ça m'a fait un peu peur au début. Voilà. On avait un petit peu du mal à se lancer. On a un diesel, on est plutôt lent. Mais une fois qu'on est lancé, eh bien, croyez-moi, plus rien ne peut nous arrêter, bien sûr. Il s'appelle François. Et il est hollandais. Il nous met dans le coin. Et là, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Ouh, c'est joli, ça. Pourquoi j'ai pas une prise comme ça? Voilà. C'est bon, tout va bien, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Par contre, il faudrait que je prenne des escaliers, peut-être. Que quand on marche, on prend des escaliers, forcément. Bah là, Sarkozy peut plus rien faire, il a plus pouvoir contrer. Ah bah il lui fait la même, hein. Il a fait, si j'ai fait un président, on le fait au deuxième. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, saute pas sur moi, s'il vous plaît. Pas sur moi. Respecte-moi. Merci. Par contre, on est KO, nous, hein. On a le pif contre le ring. On est... Non, 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 il va se relever. Non, merci bien. Je veux pas que ça s'arrête comme ça. Voilà, grâce à moi. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? C'est qui le patron? Alors lui, vite fait, bien fait, on lui fait le spécial. Voilà. Et on prépare le finisher. Le temps qu'il se relève, je pense qu'on a le temps de lui faire deux dégâts. Et peut-être pourquoi pas gagner. On l'aurait volé ce match. Hein. Franchement, hey, si on gagne ce match, on l'a totalement volé. Mais j'ai envie de vous dire, vol ou pas vol, eh bien, c'est le résultat qui compte. Allez, dis-moi que c'est bon. Monsieur l'arbitre, 1, 2, le 3, on l'avait. Hein. Le 3, on l'avait. Normalement, ça aurait dû être... Non, 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 on s'est fait avoir. Non, le pire. Ah, le... Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. On avait tout pour gagner. Il nous a enlevé le 3. Il revient et moi, je le fais mal. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, on peut pas toujours tout réussir. Ah là, je suis dégoûté. Là, c'est une défaite, mais qui n'aurait jamais dû être. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pronostiqué bah, le bon vainqueur. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! Big pinfall victory here tonight. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor's shoulders to the mat for the three count, you should be proud. Matches like that are the reason why I love this job so much.